Salut à toutes et à tous, ici Kalion et on se retrouve aujourd'hui pour le retour des combats à thème de Budokai Tenkaichi 3. J'ai nommé le Challenge Sub qui a disparu pendant quelques temps parce que je n'avais tout simplement plus le temps de m'en occuper. Mais il est là, il est de retour et il va revenir en bombe, voilà. Donc peut-être que des gens n'ont malheureusement pas connu cette série à l'époque. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement vous remémorer les règles de cette série pour que les nouveaux puissent un peu comprendre comment ça se passe et peut-être que ça les intéressera. Donc, première règle, chaque semaine, il y aura un épisode avec un thème particulier. Donc, en gros, chaque semaine, vous, normalement, hein, si je tiens bien mes plannings, chaque vendredi, vous aurez une vidéo de Budokai Tenkaichi 3 Challenge Sub avec un thème différent. La deuxième règle, bah, le but, ce sera tout simplement de réussir un maximum de défis puisque cette série, je le rappelle, est une série qui cherche du challenge, de la difficulté et aussi des combats soit qui retracent des arcs différents, soit des combats complètement atypiques et, qui sont what the fuck. Voilà, ça dépendra surtout de mon humeur et de ce que j'écris moi sur mon bloc-notes. Ensuite, troisième règle, à chaque fin de vidéo, je vous mettrai un sondage dans la description pour que vous, les abonnés, vous puissiez choisir le prochain thème que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Alors, forcément, pour la quatrième règle, histoire de ne pas casser la hype vis-à-vis du prochain épisode qui sortira, je vous mettrai, comme d'habitude vu que les anciens savent, juste le nom du thème. Je ne mettrai absolument pas la composition de chaque équipe qu'il y aura dans ce thème, parce que sinon ça pourrait influencer. Cinquième règle, donc normalement, j'ai bien dit normalement, si chaque roster, donc si chaque équipe a le même nombre de personnages, ce que je ferai, c'est que je ferai deux combats, c'est-à-dire un combat aller et le match retour avec l'équipe adverse pour voir si j'arrive à gérer les deux équipes et du coup, si j'arrive à gérer les deux, on pourra en conclure que les défis sont relevés. Pour la sixième règle, c'est que si c'est beaucoup trop difficile entre guillemets de jouer les matchs aller et retour parce que il y a une des deux équipes qui a beaucoup moins de personnages. Ce que je fais, c'est que je ne fais pas le match aller-retour, comme j'ai dit, c'est que je fais un BO3. Donc qu'est-ce qu'un BO3? En gros, vous aurez des matchs à jouer, c'est un peu comme 3 manches, on va dire, voilà. 3 manches, si jamais il y a un partout. C'est-à-dire que, admettons, je joue un roster, il y a 3 personnages, et le roster d'en face, dans mon défi, il en a 5. Eh bien, je vais uniquement jouer le roster où il y a 3 personnages, mais il faut que je fasse un BO3 et que j'en gagne 2 le match, pour que le défi soit remporté, considéré comme en tout cas. Parce que si je fais match aller, match retour comme les rosters où il y a seulement le même nombre de personnages, c'est pas équitable puisque je vais me mettre à jouer un coup 3 persos et un coup 5 persos contre 3. C'est pas très fun on va dire. Du coup, histoire de mettre un peu plus de difficulté, je jouerai uniquement le roster où il y a le moins de personnages, mais plusieurs fois, toujours en difficulté maximale, pour bien montrer que je suis un bon joueur et que je vais jouer le truc le plus difficile possible. Voilà. Vous pourrez toujours me proposer également en fin d'épisode dans les commentaires des défis que vous souhaiteriez voir, des propositions de roster, des propositions de personnages, mais évitez de me dire Goku contre Vegeta. Enfin, déjà, du roster 1 contre 1, 2v2, 3v3, encore ça passe, mais en dessous de 3 contre 3, je prends pas. Voilà. Pour éviter qu'il y ait des défis doublons, remémorez-vous, ou alors allez voir dans ma playlist, les défis que j'ai déjà fait avec les personnages. C'est-à-dire que, admettons, bah, j'ai déjà fait un défi maître versus élève, allez pas me faire un roster qui y ressemble. Voilà, parce que ça sert à rien. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage, et à tout de suite.
て試させてもらうぞ。魔導士だからあんまり肉弾戦をしたくないのにな。Voilà, donc on se retrouve pour le retour de notre petite série sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 qui s'appelle Change the Sub. Et donc aujourd'hui le défi ce sera Menace Majin, c'est-à-dire que ça retrace un petit peu l'arc Bou, puisque j'ai retracé pas mal d'arcs avec des combats différents. Et là aujourd'hui on va retracer un combat de l'arc Bou. Alors dans ce roster, vous retrouverez Sangoku Super Saiyan 2, Vegeta Super Saiyan... Ah non, je l'ai pas mis en Super Saiyan, excusez-moi. Et Kaioshin. Contre Babidi, Majin Vegeta, Super Bu Gohan absorbé. J'ai vraiment hésité avec Gotenks, mais je me suis dit pourquoi pas mettre Gohan. Bu Petit et Dabra. Donc vous voyez, c'est assez classique, ça retrace un petit peu l'histoire de l'arc Bu. Enfin, de Majin plutôt. Et voilà, j'avais grave envie de la faire parce que vous savez que c'est une de mes... Si, c'est ma saga préférée en fait, c'est pas une de mes, c'est ma saga préférée. Et pour reprendre le jeu et la série, on va dire que c'est pas mal. C'est un bon petit défi pour commencer très doucement. Sachant qu'il y en aura un autre plus tard qui viendra, qui sera basé toujours sur la saga Majin, mais avec un roster un petit peu différent. Pouf! Oh non! Vegeta, t'es pas cool! Voilà, c'est ce que je voulais faire en fait. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça que je me suis transformé en Super Saiyan 3 en fait. Parce que son ultime est tellement stylé. Donc toujours difficulté maximale. Hein. Je me suis entraîné un peu quand même avant de reprendre. Alors ça se voit peut-être pas forcément beaucoup. Oups. Alors. Mais il faut être gentil aussi. Hein, parce que moi, j'ai joué à... Oups. J'ai joué à... Comment dire, à Budokai Tenkaichi hein, pendant longtemps et ça n'a rien à voir. Du coup, il faut que je reprenne quand même mes marques. C'est pas facile. D'ailleurs, j'ai pas regardé la suite de Super Dragon Ball Fusion. Faudrait que je regarde. Parce que j'ai regardé que le premier épisode, donc ça commence à dater quand même. Oh oh. Wow, wow, wow. Salut Majin. Bouh. Oh, bien joué ça monsieur. Bon en tout cas j'espère que le retour de la série vous... Ah, vous fait... Ah, vous fait plaisir. Et je vais faire mon maximum pour mettre un épisode par semaine. Sachant qu'il y a Spyro qui va sortir, enfin qui va arriver plutôt le 21 septembre. Bon un peu plus tard parce que forcément faut que j'y aille. Et moi j'ai une collection de campagnards on va dire. Donc comptez le 22 ou 23. Oh, 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 oh. Oups. Hop là. Ah non, moi c'est pas cette technique là que je voulais faire. Et oui je disais donc ouais, il y aura l'arrivée de Spyro le 21 septembre, un peu plus tard comme je l'ai dit. Mais il y aura également Spider-Man début septembre, c'est-à-dire le 7, donc le 8 ou le 9, le temps que je déale aussi le jeu. Donc je vais faire mon maximum pour tenir cette durée de... Oh oh. Un versus, ouais. Je vais faire mon maximum pour tenir cette durée de un épisode par semaine, et si vraiment je peux pas... Et bah ce sera un tous les deux jours. Tous les deux jours. Ouh là 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 là. Un toutes les deux semaines. Histoire de reprendre doucement et de pas être dégoûté. Regarde comment on fait pour se détransformer, je sais plus. Aïe 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 aïe. Bon bah j'arrive pas, c'est pas grave. Eh ben non! Hop là! Ah, je pense que je suis mort. Oui. Ouf. C'était violent. Il a vraiment rien pris là? C'était quoi ce bazar? Ah, bah, tu vas être casse-pied, j'ai l'impression. Ah, ouais.
En effet. Oui, alors là, j'avais aucune chance de pas me le prendre. Ah, pas mal. Oh, mais il m'anticipe tout, lui. Oh, il va me saouler. Ok, mec, ok, ok, ok. Bon. Mais j'ai le temps de rien faire. Ok, d'accord, 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 ok. Donc l'ordinateur, il s'est dit, tiens, je vais le faire chier. Très bien. Ouais, rendez-vous, bidule, ouais. C'est pas grave, je vais te défoncer avec Kaioshin, comme ça, t'auras la honte. J'en ai strictement rien à faire, moi. T'es sur mon territoire, monsieur. Hop là, voilà. Tu m'embêtais. Bah maintenant t'as perdu. C'est pas grave. Je te pardonne. Mince, j'ai pas continué mon enchaînement en fait. Ça c'était pas ouf ce que j'ai fait. Mais ah, évidemment, à chaque fois ça va trop bas genre. Youhou. Wow, j'ai vraiment hésité à quand est-ce que je devais partir quoi. À deux fois hein. Coucou. Oups. Ah mais. Ah non, tu vas pas faire ton tortue génial toi. Ça suffit, hein, viens ici. Hop, voilà. Bon, je suis remonté avec Kaioshin parce que Dabra, j'avoue qu'il m'a flingué deux persos quand même. Gratuitement, genre Vegeta, j'ai pas pu le jouer. Allez, on est parti pour le second combat, donc la deuxième phase du BO3. Et ouais, comme je disais, le Dabra, il était un petit peu chiant. Ok. Oh bah, pff, oh bah c'est tellement gentil de ta part de revenir pour je sais pas en fait, t'as sauvé mon truc en fait. Au revoir. Ah mince. J'étais pas sûr, mais au final, bah si. Il l'a fait. Hop là. Sinon, je sais pas. Enfin, je pense que vous en avez entendu parler quand même. Mais il y a Soul Calibur 6 qui va sortir bientôt. Je sais plus si c'est en septembre ou en octobre. Mais j'aimerais bien me l'acheter, tiens. Parce que j'adorais les Soul Calibur. Et ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un quand même. On va pas se mentir. Donc ouais, je pense que je ferai genre quelques vidéos le samedi ou dimanche dessus. Parce que, ouais, non, ça fait partie d'un des jeux de combat qui a bercé mon enfance aussi. Avec Tekken et DBZ, c'était les jeux de combat auxquels je jouais le plus, on va dire. Ah voilà, c'est ça que j'essayais de faire avec Kaioshin tout à l'heure. Mais ça voulait pas, alors. Coucou! Yep là! Là je t'enchaîne moi, ça y est, je suis de retour! Bon, j'ai jamais eu la prétention d'avoir un bon niveau par contre. Le peu de fois où je dis que je joue bien, c'est vraiment ironique donc. Il y a toujours meilleur que soi, bien plus meilleur. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Bien plus fort. Non, 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 arrête, arrête. Ok. Ah, il est tellement petit que j'arrive pas à piger
quel est un grab, quel est son grab, quel est son coup, enfin, j'ai rien. Aïe. Ah, est-ce que c'est toi qui a remplacé Dabra pour me saouler? On va voir ça. Aïe. Oh, je l'ai lâché au bon moment, quoi. Je voulais absolument provoquer un versus. Mais j'avoue que j'ai joué avec mes limites, là. Oups. Je bouge plus, je m'en fiche. Ok. Ça, messieurs, ça s'appelle du taunt. Ah! À l'aide! Couché! Ah, j'ai eu le temps de rien faire, c'est malheureux! Ça fait mal, mais c'est pas gentil. Je voudrais bien me transformer en Super Saiyan. Faut juste que je tienne, en fait. Si je le tape trop, il va mourir. Mais bon, j'adore taper sur Babidi. C'est un peu le punching ball de tout le monde, je pense. À quel moment t'as le droit de te casser comme ça, alors? Mais il se... Oh! Vegeta, t'as du strabisme ou... Merci! Bon, on va dire que j'ai rien vu. Voilà ce que je voulais provoquer, le versus. Final Flash! Ah! Mon dieu! Ya! Big Bang attaque! Et toc! Je suis meilleur que toi, tu es une pâle copie. Regarde! Zzz. Hop là! Aïe! Non, mais arrête-toi! Je sais plus m'arrêter là. La fusée elle est overchargée, j'arrive pas à m'arrêter. Oui. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai tapé la pause, mais c'était bien nul. Ouais, bien dit ça. Wow, je me suis déporté au dernier moment, genre j'ai mis mon clignotant et tout, heureusement. Oh ouais. Non mais, tu te laisses faire, genre. Pourquoi ça l'a pas sonné, genre? Ah, j'ai cru que j'avais bougé. J'adore ce genre de fin de combat où je suis en train de détruire mon avance, c'est génial. Yeah. Bon, et eh bien c'est un défi réussi. Pour une reprise, c'est pas mal. Je joue toujours déjà mieux qu'il y a un mois et demi. Parce que c'était une catastrophe. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et que le retour de Challenge Sub vous aura plu aussi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Et puis bien sûr, pour ma part, ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur cette série. Voilà, et bisous.